Bonjour madame, merci Bonjour de Maurice. nous accorder quelques instants pour donc répondre à quelques-unes de nos questions. C'est avec plaisir. Et donc justement, vous venez juste à l'instant de terminer les soins. Donc Oui. racontez-nous un petit peu quels étaient ces soins. En fait, les soins s'étaient passés en trois voyages. Le premier voyage, c'était la pose des implants. Oui. Et le deuxième voyage, c'est... c'était le en fait mettre les vis voilà dégagement des implants dégagement des voilà, implants remplacement des vis de fermeture voilà. par des vis de cicatrisation et le troisième voyage c'était celui-là en fait c'est pour faire continuer les soins et placer les dents définitives. Donc la dent définitive que vous avez en bouche maintenant. Voilà, c'est ce que j'ai en bouche là. Et voilà, et voilà. Ça, enfin, après quelques temps, donc, vous retrouvez le sourire, vous retrouverez l'appétit, tout ira mieux. Ah, ça, oui. Quelle est la sensation en bouche? Ça change beaucoup la vie. Oui. J'ai repris confiance en moi. Et voilà, j'ai l'impression que j'ai rajeuni. Et puis on verra par la suite. Oui, parce que des suites, il est prévu de revenir à un moment D'ici 6 mois. D'ici 6 mois, oui. Voilà. Pour un contrôle. Pour un contrôle. Hein, voilà. Donc, très important, en effet, à la fin des soins, c'est pas complètement fini. Il faut revenir, en effet, une fois pour être sûr que tout aille bien. Tout aille bien, après, ce sera tous les ans. Parce que moi, j'ai fait le choix de faire un scellage provisoire, ça veut dire pas définitif, d'accord. Pour permettre tous les ans de détartrer les voilà. implants. Et voilà, c'est plus facile d'enlever le bridge que de faire un scellage définitif qui peut causer de casser la. De couper le bridge pour accéder aux implants. Aux implants. Donc voilà. Là, en fait, c'est l'âge provisoire, mais bon, qu'on se rassure, ça ne va pas tomber comme cela. C'est, Non, ça ne va pas tomber. Il faut faire bien sûr attention de que je ne tombe pas. Voilà, après, de ne pas mordre un os, par exemple. Oui. Voilà. Pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Et puis, si on fait attention, moi, je ne vois pas de problème que ça tombe comme ça, non. D'accord. Et c'est un choix. Chaque personne décide de se sceller provisoirement voilà, ou définitivement le bridge sur un plan. Voilà. Et vous, c'était en plus, c'est sur les mâchoires supérieures et inférieures. Et en tout, ces implants, 8 en haut et 8 en bas. D'accord. Donc, ce qu'on appelle une réhabilitation complète, haut et bas, pour une solution fixe sur un plan. Voilà. Donc, très bien. Là, j'ai une sensation que c'est mes dents d'avant et, et voilà. Et donc là... Il me faut encore 2 mois pour m'habituer un peu et j'en suis sûre que je vais retrouver toute la mastication d'avant et... Ben, le confort d'avant. Déjà, vous allez pouvoir profiter de ces fêtes de fin d'année pour retrouver le plaisir de déguster. Ah oui, c'est le plus beau cadeau de Noël. Voilà. Et je suis très ravie que ça se termine comme ça. Et je ne regrette pas de choisir la clinique chez Madame Tal. Parce qu'il y a beaucoup de... sincérité dans le travail. Oui, un travail sérieux, fait sérieusement. Sérieusement, avec beaucoup d'amour, de tendresse, voilà. Et de professionnalisation. Oui, c'est le docteur Chuba qui fait très attention dans son travail. Ça se voit qu'il aime beaucoup son travail. Et qu'il prend le temps avec chaque patient de bien expliquer. De bien, il travaille en même temps, il explique ce qu'il fait.
C'est très très important ça. Ah bah oui, forcément. Et ça fait pas mal, du tout, du en tout. En plus, en pas plus. De douleur. Ah non, donc, pas de douleur. Mais écoutez, c'est... Je croyais pas que ça allait se passer comme ça. Au départ, j'appréhendais un petit peu, comme tout le monde. Et finalement, c'est passé vraiment vite. Que si c'est à refaire, je peux le dire vous, que vous je le referiez. Peux. Ouais, ouais. D'accord. Ouais. Aucun problème. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. Ben, et puis, bah, je vous souhaite un bon retour en France et puis de bonnes fêtes de fin d'année. Merci à vous aussi. Bonne fête de fin d'année à tous, à toute l'équipe. Et voilà, une équipe agréable, souriante. J'ai un accueil chaleureux de toute l'équipe. Mm-hmm. Et je souhaite à tout le monde une très bonne année. Merci beaucoup. Plein de bonheur. Merci, pareillement. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Thank you.